Yes, salut tout le monde, précédemment t'as pu voir le rêve américain. Aujourd'hui on se retrouve pour le rêve asiatique, je suis super content, ça va être le fire. Silverback aux États-Unis, on se retrouve pour Hip Fest, un autre championnat du monde au Vietnam, et après road trip à Bali avec mon frérot Corentin Souligou. On est en plein mois de décembre, je vais rentrer bronzé. Et ouais, tout ça grâce au breakdance. Donc restez branchés parce que je vais vous expliquer à tous et à toutes comment vous aussi vous allez pouvoir faire les mêmes choses que moi. Ok, en direct de Nice Côte d'Azur, donc là, départ pour Paris Charles de Gaulle, et après on va où? C'est la surprise! On est arrivé dans un endroit particulier, je vous laisse deviner où c'est qu'on est. En tout cas, c'est vraiment la classe, il fait 30 degrés. On arrive, petite pancarte, nous amène à l'hôtel, on est pris en charge. Et c'est pour un championnat du monde de breakdance, ça va être lourd. Donc on va profiter des billets de l'hôtel et pour mettre un petit peu le bordel en Asie. Hein. Là, en direct de Ho Chi Minh, j'ai un vrai frérot, j'ai trouvé un vrai frérot qui fait le travail des meufs. Les filles, il faut être balèze comme lui en massage. Là. C'est pas ce bordel. Like a dream, she flying designer jeans, but more likely lie by the ocean. I live my life by the beach, ain't affected by effing traffic. No more in a car that screech, I don't bother with seeing people. I hope they ain't mad at me, I'll be open to visit. But bitch, if I could come out and stay, then that means that you could come also. It could work either way, I don't work but on my own tape. Don't be hurt. Yes, sites, première journée terminée. Donc vraiment, gros fire. Vous avez vu en vidéo, le Vietnam, c'est le Vietnam. Des massages de partout, ça fait la fête, ça sort. Fait chaud, très bonne ambiance, les gens sont gentils, calmes, détendus, ça klaxonne et tout, mais c'est de bonne foi, c'est juste pour dire casse-toi, bonne mentalité. Ok, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en direct au Chili, au Vietnam, et tout simplement faire une prise de risque, risquer ma vie avec les tuk-tuk. Je vous laisse regarder ça, c'est parti.
Morning France, rendez-vous demain. Deuxième journée terminée, très fatigante effectivement parce que battle toute la journée, 4v4, mais on est très content. On a fait une bonne connexion avec Good Morning Vietnam, Noé Vagabond et moi-même. Donc là on est en demi-finale demain dimanche et voilà, on va voir ce que ça va donner. Deuxième journée de battle, c'est parti, let's go! Ah, j'ai une petite surprise pour vous aujourd'hui les amis. Moi perso j'ai fait une nuit blanche explosée comme Nevo. Mais regardez bien ce qui nous attend. Ladies and gentlemen, Kuala Lumpur. Voilà, let's go. In Bali, la famille, on va à Bali. Ouais. Par la police 100 000 roupies. Donc voilà, faites attention parce que ici c'est des gros bâtards. Ils nous ont arrêté comme ça, ils ont dit ouais mettez-vous sur le côté. Ils ont dit ouais vous avez pas un papier, je sais pas quoi. Non, on n'avait pas le papier. Ok, bah tu payes maintenant ou tu payes après 1 million. On n'a pas payé 1 million, on a payé 100 000. Faites attention à vous quand vous allez à Bali, évitez la police. Voilà, les Européens, ils arrêtent direct les Européens. Ok, salut tout le monde, aujourd'hui on a la forêt des singes à Bali. Donc comme on peut la voir sur cette prévention, do not look the monkey in the eyes. Donc il ne faut pas regarder les singes dans les yeux. Mais moi ce que je vous propose, c'est qu'on va justement essayer de voir si c'est une prévention mensongère ou pas. On va aller essayer tout de suite. Ladies and gentlemen, let's go.
j'ai l'impression qu'il n'y a que des mâles qui m'emboucanent. Donc les femelles, elles ont l'air plus gentilles. Bon, faut pas embêter les singes, mais il y a quand même des petits moments mignons, on va pas se mentir. Vas-y, ouais, ça fait. Oh. Ça va ou quoi? Oh. Oh, mais t'es con ou quoi? Vas-y. Mais t'es con. Ok, bon, vous avez vu, là, j'ai failli me faire défoncer une fois. Mais maintenant, est-ce que, regardez comme il est balèze celui-là, est-ce que je vais l'embrouiller ou pas? Là, c'est la question que je suis en train de me poser. Tu veux pas? Wow, wow, wow. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc aujourd'hui, on a dépassé la barre des 1000 premiers abonnés. Donc sincèrement, un gros merci, ça me fait super plaisir. Donc là, ça a été le défi des singes. Franchement, ça a été super marrant. N'oubliez pas de partager, d'aimer un maximum. À chaque palier, je me répète, il y aura d'autres défis de plus en plus importants. Donc là, next stop, les 10 000 premiers abonnés. Aujourd'hui, on est à Bali. J'ai eu ce concept de vidéo avec mon pote Coco. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires. Les big boys, les big girls, restez branchés, restez connectés. Et on se revoit très vite. Merci. Status, I'm a big dog, bitch. I pull up on the block in a big Corvette. Yeah. Ride around the city with a stick all black. Try with a poker, we ain't with all that. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ooh, paid a $1 million, now I can't go back. Got a lot of jewelry on me, man, you can't hold that. Tell him that I ain't so crack. Know your money long when your people came for that. Alors monsieur B-Boy Terrence. Yes, et ben on tes est là, impressions hein. Du voyage. Les impressions, tout est là-dedans, hein, tout est là-dedans. Non, sans déconner, on a fait 2 semaines avec le frérot juste derrière la caméra. C'est moi. Avec Coco de ouf, c'était comment, j'ai pas d'adjectif tellement que c'était fabuleux. Voilà, 3 jours au Vietnam. On gagne le 4x4 international, on prend les sous, ça défraye les vacances à Bali, 10 jours à Bali. Et là, vous verrez en vidéo ce qui va se passer à Bali, mais c'était assez incroyable. Après, on ne peut pas tout leur montrer non plus. On ne peut pas tout dire non plus. On est à Coco, on ne peut pas tout dire non plus, ça c'est vrai. Franchement, un petit peu de nostalgie, fatigué, mais vraiment Bali en tout cas. C'était... Oh, on est parti 20 jours, voilà. Donc 20 jours, et ça y est, c'est la fin. Les dernières images, l'avion qui décolle. Eh oui. Come back to France everybody. Eh ben écoutez, on se revoit très vite pour de nouvelles aventures, j'ai envie de dire. Les big boys, les big girls et les autres, les fonctionnaires, je sais pas qui vous êtes, qui es-tu, qui se cache derrière la caméra là. Hein?